Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas prévue dans mon planning. Mais en fait, la semaine dernière, je suis partie en week-end en amoureux au bord de la plage. Ce qui fait que très rapidement, en 2 jours, j'ai dû me décider et coudre un maillot. Et ce maillot, je l'adore. Je l'ai posté sur Instagram et vous êtes nombreuses à vraiment l'avoir aimé, à avoir flashé dessus. Et en fait, il s'agit d'un hack. Vu l'engouement en fait, face à ce maillot, j'ai eu envie de vous faire une vidéo, à la fois pour vous donner des conseils en fonction du choix des matières et des accessoires pour avoir un maillot qui aura plus de maintien, et puis aussi une vidéo pour vous proposer mon hack. Même si je ne vais pas le coudre avec vous, je vais vous donner tous les renseignements possibles pour que vous puissiez réaliser ce hack s'il vous convient, en sachant que bien sûr ça peut les modifications peuvent convenir à tout le monde, mais forcément, je les ai pensées pour que ça convienne surtout à quelqu'un qui a une forte poitrine, puisque le but, c'était vraiment de me faire mon maillot idéal, et honnêtement, je crois que j'ai réussi. Étant donné que je sais que je vais énormément blablater dans cette vidéo et que certaines seront peut-être juste là pour avoir les détails du hack, je vais faire un gros chapitrage. D'abord, pour vous raconter comment m'est venue cette envie de maillot. Deux, je vais vous parler des matières et des accessoires, comment je les ai choisis, où est-ce que je les ai trouvés, pourquoi. Ensuite, je vais vous parler un peu plus en détail de mes modifications patron et donc du patron. Et enfin, je vais vous parler de ce que ça a impliqué au niveau de la couture et forcément, je vais vous donner un petit peu des renseignements par rapport aux erreurs que moi j'ai pu faire et à ce que je vais faire par la suite pour l'améliorer encore. C'est parti pour l'intro blabla. Celles qui me suivent depuis le début se souviennent peut-être que j'avais parlé de mon maillot idéal que je portais lorsque j'avais 18 ans, qui était un maillot au bad, que j'adorais. J'arrivais même plus à en trouver une photo et l'une d'entre vous m'a envoyé à trouver une photo sur le net. Je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a trouvée, mais en tout cas, elle me l'a envoyée par mail. Et voilà, ça m'a permis vraiment de mieux observer la forme du maillot parce que je savais juste que je l'adorais et j'en avais une vague idée, mais vous imaginez, ça fait vraiment très 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 longtemps, donc je ne me souvenais plus exactement comment est-ce qu'il était formé, surtout qu'à cette époque-là, je ne cousais pas, donc je n'observais pas les finitions, les formes, les pinces et ce genre de choses. Et donc, cette année, je me suis dit, allez, c'est l'année, c'est la bonne, tu vas coudre vraiment le maillot de tes rêves, celui dont tu as envie depuis tes débuts en couture. Mais pour ça, il fallait que j'arrive à trouver le modèle idéal à hacker. Et vraiment, j'ai passé une journée, comme on sait le faire quelquefois, obsessionnelle, à ne penser que couture, à répertorier les patrons que j'avais en tête, ce que je pouvais transformer en maillot, à regarder un petit peu les différents patrons de maillot qui me plaisaient, que j'avais. Bref, je ne pensais qu'à ça. Et puis, j'étais sur Instagram et je vois un repost d'une photo de Félé de la Bobine qui nous avait déjà sur Instagram posté une photo de son maillot Cuba Libre de Fitiou. Elle en a fait une vidéo d'ailleurs que je vous mettrai en barre d'informations puisqu'elle a testé le Cuba Libre et un autre des maillots en avant-première. Et donc voilà, si vous voulez des informations bien complètes sur les modèles originaux, n'hésitez pas, sa vidéo est très agréable. Donc je vois ce post et d'un coup c'est l'illumination. C'est le patron parfait dont j'ai besoin pour pouvoir faire mon hack et pour pouvoir me rapprocher le plus possible du maillot que j'avais en tête. Très rapidement, je vous parle quand même de ce patron. Le patron Cuba Libre, il est sorti cette année. Il va du XS au XL pour le haut et du XS au triple XL pour le bas. En ce qui concerne le haut, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous pouvez dissocier le bonnet du tour de dos. Donc en gros, on vous explique comment faire si vous voulez coudre un dos M avec un bonnet XL. Et il y a quelques temps, j'en aurais vraiment, vraiment eu besoin. Là, j'ai cousu en XL en total, mais je sais très bien qu'il y a quelques temps, vraiment, c'est un ajustement dont j'aurais eu besoin et je trouve ça génial qu'ils aient pensé à le faire. Je vous aurai affiché à l'écran le modèle original, donc le modèle avec le petit nœud au centre. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai voulu remplacer ce nœud par un cercle. C'était l'élément distinctif en fait du maillot au bad qui m'avait tant plu.
À la base, dans la version originale, il y avait un bijou assez long qui s'accrochait. On pouvait l'accrocher soit au centre, soit sur le côté sur l'anneau qui était sur le côté de la culotte. Bref, en tout cas, il me fallait cet anneau. Je vais donc tout de suite passer à la partie où je vous parle des différentes fournitures nécessaires, des différentes matières et de mes choix. On commence par les fournitures nécessaires. Pour le maillot Cuba Libre, vous avez besoin d'un fermoir. Et normalement, le fermoir, il doit faire entre 2,5 et 3 cm, c'est ce qui est préconisé. Moi, je voulais un dos très très large, ce qui fait que j'ai acheté un fermoir qui fait 4 cm. Ou en tout cas, dont l'espace ici fait 4 cm. Voilà, pour pouvoir ensuite rentrer donc ma bande totale qui fait 4 cm. J'ai répété beaucoup de fois 4 cm. Bref, il s'agit donc d'une accroche. J'en ai acheté des dorés et des argentés que j'ai acheté sur le site de Idonim Lingerie. C'est aussi le site sur lequel j'ai trouvé mes anneaux. Ces petits anneaux-là, ils font 2,5 cm, pardon, oui c'est ça, 2,5 cm de bord à bord à l'intérieur. Il y en avait malheureusement en rupture de stock qui faisait 3,5 cm et j'aurais bien aimé pouvoir les tester. Mais bon, c'était en rupture de stock. Donc ça, ce sont pour les bijoux, pour les attaches. Je vous laisse aller voir par contre si vous voulez faire le modèle original. Il y a d'autres options avec des bretelles amovibles et autres. Ça, je ne vais pas vous en parler. Audrey le fait très bien. Et moi, j'ai vraiment envie de vous parler de mon hack et de ma version spéciale forte poitrine. On continue avec la mercerie. Au niveau de la mercerie, vous allez avoir besoin de cache-armature et de baleines. Alors, voilà ce que c'est, les baleines. Ce sont des petits morceaux en plastique comme ça. Moi, je les avais achetés déjà tout fait sur... déjà tout coupé plutôt, sur Idonim Lingerie, toujours. Sauf que, malheureusement, la taille est trop petite. C'est du 8 cm et moi, j'aurais eu besoin de 9 ou 9,5 cm pour du XL. Donc, faites attention à ça. En fonction de votre taille de bonnet, vous allez avoir besoin d'une baleine plus ou moins grande. En fait, il aurait juste fallu que j'achète de la baleine au mètre et qu'ensuite je la découpe moi-même, ce qui était tout à fait possible. Mais malheureusement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus sur le site. Elle était en rupture de stock à ce moment-là. Maintenant, elle est revenue. Mais voilà, sachez-le, c'est un petit détail. Et cette petite baleine, vous allez l'introduire dans un cache-armature. Tout ce qui est noté, c'est cache-armature. Et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les caches-armatures, voilà, ça c'est ce qui me sert pour faire mes soutiens-gorge à armature. Alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir, voilà, il y a une couture d'un côté, mais pas de l'autre. Voilà, ici ça rentre, mais pour avoir déjà cousu des armatures, je sais que quand on essaie de coudre de l'autre côté, sur le côté où il n'y a pas la couture, on a un petit peu de mal à bien gérer les choses et quelquefois on mange un peu trop sur le milieu et on peut avoir du mal ensuite à rentrer notre baleine. Alors moi j'avais de la chance, c'est que dans mes différents achats où je ne sais pas ce que j'achète chez Mercerie Extra et après je me retrouve avec des trucs différents, j'avais acheté ce cache-armature là qui était parfait pour faire entrer les baleines puisque, alors j'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose, il y a en fait des... Déjà il est beaucoup plus plat et il y a des coutures des deux côtés. Donc si jamais je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'informations et je ne peux pas vous dire si celui-ci qu'on trouve plus souvent suffit. Je serais incapable de vous répondre, mais en tout cas, celui-ci, il était parfait et je vous le mettrai en barre d'informations. Dernier élément important pour la mercerie, vous allez avoir besoin de laminettes. La laminette, c'est cet élastique en caoutchouc qui sert pour les maillots de bain parce que contrairement aux autres élastiques qu'on utilise en lingerie, il supporte le chlore, le sel, la mer, le soleil. Donc c'est pour ça qu'on utilise celui-ci. Généralement, vous avez de la laminette qui fait soit 6, soit 8 mm de largeur. Voilà. On vous conseille 8 mm, 1 cm pour votre laminette pour coudre ce maillot de bain. Mais on vous dit aussi que pour plus de maintien, si vous avez envie, la bande de sous-poitrine, vous pouvez la faire avec un élastique de 2 cm. Donc une laminette de 2 cm.
Et c'est pareil, il y a un an, dans mes différents achats Mercerie Extra où je ne savais pas quoi regarder, j'avais acheté de la laminette qui faisait 2 cm dont je ne m'étais absolument pas servie. Et donc j'ai pu m'en servir cette fois-ci et vraiment j'en suis ravie. Je vais davantage vous en parler dans la suite, dans le montage et aussi dans ma façon de retravailler le patron. Mais vraiment c'est essentiel à la fois pour avoir un bon maintien, mais aussi pour avoir ce qu'on aime beaucoup, enfin ce que moi en tout cas j'aime beaucoup dans ce patron, à savoir la bande que l'on voit sous la poitrine. Parce que celles qui ont de la poitrine, vous pourrez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais moi, je sais que très très souvent, pour les maillots, je trouve cette partie sous la poitrine très jolie. Et c'est ce dont j'ai envie sur moi. Parce que je trouve que ça affine, justement, lorsqu'on a une forte poitrine. Le fait que le maillot continue un petit peu sur le haut du buste, ça permet d'affiner et je trouve ça très joli. Malheureusement, ça ne fonctionne jamais sur moi parce que cette bande sous poitrine vient se cacher sous ma poitrine. Je vous donne un exemple concret. Le premier maillot que j'ai acheté, c'est la box d'artisane, le maillot Normandie, dont je trouve la forme magnifique. Mais ce qui m'avait plu, c'était le croisé. Je trouvais ce croisé sur le haut du buste sublime. Sauf que quand vous avez une forte poitrine, ce croisé, il ne reste pas en place. Là, ça vient se cacher sous votre poitrine, ce qui permet de la maintenir, donc c'est une bonne chose. Mais au niveau du style, vous n'avez absolument pas ce maillot qui revient un petit peu sur le haut du buste, sur le haut des côtes, alors que pourtant, moi, c'est quelque chose que je recherchais et que je trouvais très très joli. Et même lorsque la bande est large, si vous n'avez pas d'élastique très épais pour la maintenir en place, hop, elle va venir se cacher sous votre poitrine à tous les coups. Donc, c'est pour ça que j'y tiens, mais cette laminette de 2 cm, vraiment, c'est ce qu'il faut. J'ai vérifié, il y en a toujours sur Mercerie Extra, donc je vous la mettrai en barre d'informations. Et j'ai regardé sur Idonim Lingerie, elle propose aussi un élastique de 2 cm de large qu'elle met dans la catégorie des élastiques bons pour les maillots, qui ressemble plus à un élastique lambda, on va dire, par rapport... ça ressemble pas à quelque chose en caoutchouc, en fait. Voilà, je ne l'ai pas testé, mais en tout cas, il est proposé pour cet usage-là et on peut le trouver sur le site. Toujours pareil, je vous mets en barre d'infos. On en a terminé pour la partie mercerie. On passe maintenant au tissu. Ma jolie version, je l'ai cousue dans un tissu que j'avais acheté sur charlottejobert.com. Il s'agissait d'une box avec des tissus pour faire des toiles. À la base, donc ce tissu-là, c'est vraiment un tissu pour faire des toiles. C'est un lycra, c'est pas forcément un tissu pour faire des maillots de bain. Vous pouvez le faire aussi, vous pouvez aussi faire des bodys. Voilà, c'est un tissu lycra pour faire des bodys. Sauf que elle avait dit en... Vous savez, quand elle fait des lives, Charlotte Jobert avait dit qu'on pouvait aussi l'utiliser pour des toiles de maillots de bain. Au passage, elle a sorti des coffrets avec... encore un tissu pour faire des toiles de maillot de bain cette fois-ci, donc avec vraiment du tissu spécial maillot de bain, parce que je ne l'ai pas précisé, mais quand vous allez choisir votre tissu lycra, il vaut mieux que ce soit un tissu vraiment maillot de bain, parce qu'il aura été traité pour mieux résister au chlore et au soleil, et donc il ne va pas totalement s'abîmer très très rapidement. J'ai beaucoup hésité à acheter le coffret de Charlotte Jobert spécial maillot de bain, tout simplement parce que j'avais ce tissu qui vraiment il ressemble, mais alors comme deux gouttes d'eau, au niveau du visuel. C'est la même couleur, je me disais, est-ce que je vais encore acheter 3 mètres? Et en fait, après avoir fait ce maillot, j'ai décidé de me racheter le coffret. La couleur, c'est la même et vraiment, je l'adore. On m'a fait des compliments sur cette couleur. Même mon compagnon me dit, mais elle te va bien cette couleur, elle est très jolie. Donc voilà, j'en ai profité. Et surtout, si je vous dis ça, c'est parce que vous le savez, moi, le côté rentabilité, c'est quelque chose de très important pour moi. Et depuis que j'ai commencé la couture, j'ai acheté beaucoup de matières maillot de bain. Je vais vous en montrer quelques-unes pour essayer de vous faire comprendre les différences et pour que vous puissiez faire un choix peut-être un peu plus éclairé que mes premiers choix à moi. Et en tout cas, les matières maillot de bain, c'est très souvent entre 15 et 20 euros le mètre. Et dans le coffret de Charlotte Jobert, vous avez 3 mètres pour 55 euros.
Donc en gros, si je dis pas de bêtises, ça vous revient à 16,50 € le mètre à peu près. Et vous avez de la très bonne matière. Alors oui, elle dit que ce sont des matières pour faire des toiles, mais ce sont quand même de très très belles matières. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris en faisant des toiles, en achetant du tissu pour faire des toiles, c'est que je perds plus d'argent en essayant d'acheter du tissu de moins bonne qualité, parce que comme je vous l'ai dit, le tissu qui faisait 15 € le mètre et que j'ai acheté, au final, ben, je le porte pas, je le porte plus, je le trouve laid. Et en plus, ce qui est très frustrant, c'est que le rendu du maillot ne va pas être le même si vous n'avez pas acheté un tissu qui n'a pas la même extensibilité, qui n'a pas, je sais pas comment expliquer ça, la même rétractabilité. Alors là, voilà, ça c'est le tissu de mon maillot. Voilà. Alors, il est fin pour l'instant. Si tout va bien, je dois recevoir ma box de Charlotte Jobert demain. Je l'ai commandée comme je vous l'ai dit quand je suis rentrée. Parce que j'ai réalisé que j'allais encore vouloir me faire des tas de toiles de maillot de bain. Mais sauf que moi, quand je fais mes toiles et qu'elles me vont bien, j'ai envie de les porter. Et comme j'adore cette couleur, bah, je me suis pris la box. Et en fait, avec 3 mètres, vous pouvez faire 3 maillots. Donc si jamais votre première toile ne va pas, vous pouvez même en faire une deuxième. Et puis ensuite, vous pouvez faire une troisième et avoir votre maillot définitif. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours faire voilà, 3 maillots à l'intérieur quand même, ce qui pour moi est largement rentable. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà un des tissus que j'avais acheté pour faire une toile. Et je vais peut-être avoir un petit peu de mal à vous montrer, mais ce sont des matières très très glissantes. Donc ce sont des matières qui sont donc beaucoup plus casse-pieds à coudre. En plus, celle-là, je l'avais achetée, c'était censé être une couleur framboise sur Mondial Tissu. Je sais pas ce qu'elles ont pris, leurs framboises, mais bon, je les trouve pas vraiment très framboises, ce tissu. Je n'assume absolument pas la couleur, le côté Barbie Alerte à Malibu, là, ça me plaît pas en fait. Je trouve pas que ça le fasse. C'est pas mon style. Et en plus sur moi, honnêtement, enfin, voilà, ça me plaît absolument pas. Et donc je ne le porte pas. Je l'ai porté qu'une seule fois. Et en fait, j'ai eu du mal à le coudre. Et je trouve que le tissu, voilà, il glisse beaucoup et qu'il ne va pas forcément gainer. Voilà, c'est ça aussi. Et je sais que Charlotte Jobert, à chaque fois, ça fait partie un petit peu de ses obsessions. Elle aime le tissu qui a une bonne tension, qui gaine un petit peu. J'ai déjà acheté plusieurs fois du tissu dans ses box, notamment pour ses anciennes collections de maillots de bain. Et je ne suis jamais déçue à ce niveau-là. Donc c'est vrai que pour moi c'était une valeur sûre, je savais que j'allais avoir un tissu de bonne qualité et comme je vous ai dit, j'ai vraiment, quand elle a sorti sa collection, je ne me suis pas jetée dessus cette fois-ci, je voulais le Séléné mais il a été out of stock et je ne me suis pas jetée dessus et j'ai vraiment pris le temps de réfléchir, de me prendre un maillot et je me suis dit non mais au final, tu gaspilles de l'argent à vouloir acheter d'autres tissus, alors je vous en montre d'autres. Ça c'est un tissu que j'ai acheté chez Pretty Mercerie. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que pour le coup, lui, il ne gainera pas du tout. J'ai déjà fait un maillot avec ce tissu-là que je ne porte pas non plus parce que je n'aime pas la façon dont ce tissu se pose sur le corps. On voit, comment dire, on va davantage voir les bourrelets, les aspérités, ce genre de choses. Ça gaine pas, ça apporte pas de maintien. Et donc voilà, ça c'est pareil, je vous les mettrai en barre d'informations à hein, tout ce que je vous montre, mais c'est pareil, j'aime pas vraiment le tissu de ce. Il a l'air de très bonne qualité, mais c'est pas le toucher, c'est pas le rendu que j'aime. Et par contre, je trouve aussi que les fils se tirent énormément. J'en ai aussi dans cette couleur-là, chair, et en fait, les fils se tirent très très facilement. Et voilà, je trouve que ça abîme très très. C'est un tissu qui s'abîme très vite, plus vite que les autres. Et vraiment, c'était pas. J'ai rien fait ensuite que j'ai porté. Ce sont des achats que je regrette parce que c'est plus mou, le tissu est plus mou et il a moins de tension. Donc, malheureusement, j'aurais du mal à vous aiguiller parce que je sais que, en ce qui concerne le coffret de Charlotte Jobert, hier, je crois, elle a dit qu'en prune, il n'en restait plus qu'un. Et elle en a d'autres, mais dans une matière plus claire. Au début, pour moi, c'était impossible de les porter. Et puis après, je l'ai vu porter, en fait, dans une toile faite
par Claire, du bazar de Claire, si je dis pas de bêtises, au niveau du nom. C'est à peu près, c'est quelque chose d'approchant, je vous le mettrai quelque part en barre d'infos ou là. Et en fait, je me suis dit, ah, bah, si, finalement, c'est très joli, mais c'est vrai que pour porter, le fait que ce soit du ton sur ton, c'est tout de suite beaucoup plus sexy. C'est, voilà, ça se donne une impression de nudité un petit peu que je trouve très jolie, qui est sûrement très pratique pour faire des toiles. Mais comme je vous l'ai dit, moi ce que j'aime, ce sont les toiles portables. Et donc, bah, pour le coup, pour vous donner des conseils pour acheter ce tissu-là qui est plus gainant, je dirais peut-être que j'ai l'impression que le mat est plus gainant que ce qui est irisé, mais j'ai pas de grande certitude. Et aussi, quand j'ai pu acheter du tissu de maillot qui était texturé, type nid d'abeille ou autre, je trouvais aussi qu'il avait plus de tenue que quand il était tout simple. Malheureusement, ça, vous pouvez pas le savoir tant que vous l'avez pas dans les mains, tant que vous pouvez pas le toucher. C'est extrêmement frustrant. Moi, j'adore comparer les matières. Donc, si jamais il y a des boutiques qui passent par là et qui ont envie de m'envoyer ne serait-ce que des échantillons pour que je puisse faire une étude comparée et vous dire un petit peu qu'est-ce qui convient à quoi, il n'y a pas de souci. Mais là, en tout cas, sur les achats sur Internet, c'est vrai que c'est assez complexe d'acheter de la bonne qualité de maillot de bain. Je vous montre simplement pour que vous ayez un petit peu des idées. Là, c'est un maillot, d'un tissu maillot d'un ancien coffret de Charlotte Jobert. C'est pareil, l'élasticité, elle est top. Il est épais, en fait. Il a une bonne, je crois qu'on dit rétractabilité. Et c'est pareil, je sais qu'il va me gainer. Et comme je vous disais, ça, c'est encore une autre box de l'année dernière. Là aussi, c'est texturé, c'est épais et je sais que ça va gainer. Ça, c'était sur ma longue partie où en fait je vous donne des éléments de critique, mais je vous donne pas trop de solutions parce que, mis à part les coffrets de Charlotte Jobert avec sa matière technique, eh bien je sais pas trop où on peut acheter, comment est-ce qu'on peut choisir en tout cas en étant sur internet des tissus. Je trouve que ça serait bien qu'on ait vraiment quelque chose pour savoir quand il est assez fort, quand il est assez gainant et quand est-ce qu'il ne l'est pas. Malheureusement, sans les avoir dans les mains, on ne peut pas faire grand-chose. Je vais maintenant vous parler de la doublure maillot de bain. La doublure maillot de bain, on appelle ça aussi mousse Claudia. Vous pouvez en trouver vraiment sur différents sites. Et habituellement, c'est une doublure qui est bi-extensible. Elle est extensible dans les deux sens. Et c'est ce qui est conseillé normalement dans le maillot. Dans le maillot coup bas libré, c'est-à-dire une doublure extensible vraiment dans les deux sens. J'en ai acheté vraiment sur différents endroits, différents sites, et bon, on voit quand même la différence de qualité quand on la reçoit. Et la doublure que j'ai utilisée là, c'est une doublure que j'ai achetée chez Pretty Mercerie et que j'ai utilisée pourquoi? Parce qu'en fait, contrairement aux autres, elle n'est pas bi-extensible, elle n'est extensible que dans le sens de la lèse. Donc voilà. Là, elle est extensible dans le sens de la lèse. Et là, elle ne l'est pas. Donc, je vous la montre. Bon, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Je vous mettrai les liens en barre d'information. Et même si, effectivement, elle est de très bonne qualité et que pour cette couture-là, je vous la conseille, tout simplement parce que Milena, pendant son atelier, nous avait expliqué que quand on a une forte poitrine, notamment, on fait en sorte que l'extensibilité des tissus soit vraiment dans ce sens-là. Parce que dans ce sens-là, c'est ce qui va soutenir le poids de la poitrine. Et comme on ne veut pas qu'elle tombe, qu'on veut qu'elle reste bien droite, eh bien, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'extensibilité à ce niveau-là. Ça nous assure un meilleur maintien. Et là où partout, dans tous les maillots, on cherche une doublure bi-extensible, ben là, le fait qu'elle ne soit extensible que dans un sens, c'est plutôt une bonne chose pour le maintien. Tout en vous disant ça, je ne peux pas quand même m'empêcher de vous raconter ma petite mésaventure. L'année dernière, j'ai donc acheté cette doublure maillot de bain qui était no notée bi-extensible sur Pretty Mercerie pour faire mes maillots avec mes toiles avec les coffrets Charlotte Jobert. Et je la reçois, je me rends compte qu'elle n'est pas bi-extensible. J'ai bien suivi mes cours artisanes et mes cours et toutes les vidéos possibles et imaginables que je pouvais avoir avec Charlotte Jobert, où elle dit bien qu'il faut que ce soit extensible dans les deux sens. Pour un maillot, une pièce, puisque donc il faut rentrer en largeur forcément et que ça vous colle, mais il faut aussi pouvoir l'enfiler le maillot une pièce. En plus, le maillot de l'an passé, vraiment, il avait une forme un peu spéciale qui faisait qu'on avait besoin de l'extensibilité dans les deux sens. Et là, je vois que la doublure ne l'est pas. J'envoie un message à Pretty Mercerie en leur disant « Bonjour, j'ai reçu votre doublure maillot de bain. Je suis étonnée, elle n'est extensible que dans un seul sens.
et j'ai besoin d'une double extensibilité car je souhaite me coudre un maillot de bain une pièce. Je reçois une réponse du service client. La doublure maillot de bain est extensible dans les deux sens, c'est parfait pour votre projet. Elle est extensible dans les deux sens, je tire là. Et donc vous sentez l'énervement dans ma voix parce que aujourd'hui je suis allée revoir sur le site la description de cette même doublure que j'ai achetée et il est bien noté qu'elle est extensible seulement dans le sens de la lèse. Et l'erreur, c'est humain, ça ne me gêne absolument pas. S'il n'avait pas pensé à le noter dans la description ou autre, s'il m'avait dit « bon, ce sera bien pour des maillots deux pièces, mais pas pour le une pièce, désolé, on n'avait pas vu, on a... » Il n'y a pas de problème, je comprends, l'erreur est humaine, j'en fais plein des erreurs tout le temps, ce n'est vraiment pas un problème. Par contre, s'il y a quelque chose qui m'agace au plus haut point, c'est quand on me met en échec. Parce que quand moi-même je fais des tests et que je rate, c'est pas grave, c'est normal. On rate et on apprend et du coup on fait mieux. L'erreur est une marche qui va me permettre de réussir. Par contre, quand je sais ce qu'il faut que je fasse et qu'on me dit non, 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 vous avez tort, non, 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 elle est extensible dans les deux sens, en fait on me met en échec en me donnant une information qui est fausse et en plus on met en doute ma propre analyse de la situation. C'est un truc qui me rend dingue. C'est un petit peu quand vous avez des élèves en classe et qui vous disent « Non madame, j'ai pas parlé !» Alors que vous venez de les prendre en flag, ils sont en train de parler. C'est ce qui fait que je me transforme en gorgone. Ils l'apprennent très vite les élèves avec moi au début de l'année. C'est un truc qui me fait partir au quart de tour. Je ne supporte pas qu'on me dise que je n'ai pas compris une situation alors que je l'ai parfaitement comprise. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, ces personnes toxiques qui vont te dire « Mais non, tu as pas bien compris en fait !» Si, 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 j'ai très bien compris, je sais ce que je vois, je connais les choses et donc ça me rend folle. Bref, vous m'aurez comprise. Donc voilà, je suis désolée, j'ai sorti un petit peu cette histoire-là parce que vraiment, ça m'avait vraiment agacée. Donc je sais pas, est-ce que je continue à penser qu'en fait ils étaient persuadés qu'elle était extensible dans les deux sens, mais je me dis que face à mon message, ils auraient dû peut-être juste aller vérifier, ils s'en seraient rendus compte tout simplement. Est-ce que c'était de la mauvaise foi? Est-ce que c'était... ils en étaient persuadés alors qu'en fait elle ne l'était pas? J'en sais rien. Bref, ça a été rectifié dans leur description maintenant. Et elle est de bonne qualité en fait, cette doublure. Elle est de très bonne qualité, elle est très facile à coudre. Tout en vous la conseillant, je voulais quand même vous raconter cet épisode qui m'avait vraiment beaucoup agacé l'an dernier. Par contre, il n'y en a plus, pour l'instant, elle est out of stock en noir, mais il en existe en blanc, elle y est toujours en blanc et c'est toujours la même, extensible seulement dans le sens de la lèse. J'ai fini mon blabla et mon coup de gueule pour les tissus et la mercerie. On passe donc tout de suite au modèle de Fit You. Mon modèle, je l'ai donc cousu en XL. Je crois que je vous l'ai dit, pour le dos et pour le devant. Ici, vous avez des fronces et là, vous avez le cache-armature avec la baleine à l'intérieur. Et ça, c'est pareil, c'est un petit détail qui fait que ça va apporter du galbe parce que je l'ai essayé d'abord sans avoir mis les armatures et je me suis dit « Oh, il est bien !» Sauf que vous voyez, quand vous avez de la poitrine, ça part un petit peu sur les côtés. Et là, le fait d'avoir l'armature sur les côtés, ça vous la redirige vers l'avant, ce qui fait que c'est beaucoup plus joli, donc il ne faut pas en faire l'économie. En tout cas, moi, j'en ferai pas l'économie. Normalement, dans le modèle original, ici, la pièce est à couper au pli, donc là, c'est plein, et ensuite, vous allez coudre une sorte de petit nœud que vous allez venir accrocher ici pour former le petit nœud que vous avez dans le modèle initial. Je vais donc maintenant vous expliquer à la fois comment j'ai fait pour cette partie centrale et puis on va commencer tout de suite par ce que j'ai modifié ici pour avoir une bande d'une largeur de 4 cm sur le tour de dos. Voilà la pièce que j'ai modifiée. Cette pièce-là, normalement, elle est faite donc pour être cousue avec une laminette de 1 cm. Moi, je voulais mettre 4 cm de laminette. Vraiment, je voulais qu'il y ait que sur les 4 cm de ma bande
sous poitrine, il y a un élastique. Je ne voulais pas, comme dans le maillot d'ailleurs, c'est prévu normalement, juste sur le haut, il y a 1 cm de laminette et ensuite il y a 1 cm juste de tissu sans laminette. C'était pas ce que je voulais parce que je savais très bien qu'en faisant ça, la partie sans laminette allait me remonter sous la poitrine. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un des soucis lorsqu'on a une forte poitrine. Quand vous avez quelque chose de joli qui habille le haut des côtes, vraiment le bas de la poitrine, ça remonte. Et là, en mettant de la laminette vraiment partout, donc 2 cm et ensuite 2 cm de laminette, donc 4 cm de laminette, c'est parfait, elle reste en place. Je mets mon maillot, si je le mets comme ça très vite, cette bande va aller hein, sous ma poitrine, sauf qu'il suffit que je la mette bien en place, je mets bien tout en place lorsque je porte mon maillot, lorsque je l'enfile, et ensuite c'est bon, ça ne bouge plus grâce à ces 4 cm de laminette. Du coup, si vous voulez faire la même modification que moi, il va falloir agrandir en largeur cette bande. Il va falloir, pour 4 cm de laminette, couper cette même pièce qui est à couper au pli, mais la couper avec 13 cm de largeur. Pourquoi 13 ? Parce que, vu le montage qui se fait avec la laminette, je vous le mettrai à l'écran, ça sera plus parlant. Il faut en fait faire 4 cm x 3 plus 1 cm de marge de couture. Pour la démonstration, on va imaginer que cette partie-là avec la pastille jaune, il s'agit de vos bonnets, d'accord ? Et qu'ici, vous avez votre bande qui va être la bande de sous-poitrine. Là, ce sont les dimensions originales, simplement pour que vous compreniez le montage et ce qu'il va falloir faire avec les deux autres bandes de laminette. Donc là, voilà, j'ai pris une laminette petite de 0,8. Normalement, elle va être posée comme ceci. Elle va être cousue. Ensuite, vous allez la replier une fois. Hop. Et ensuite, vous allez la replier à nouveau et venir cacher votre couture. Hop. Comme ceci. Donc là, vous aurez votre bonnet extérieur et là, vous aurez votre bande de sous-poitrine qui ensuite s'accrochera à votre attache dans le dos et qui fera donc 2 cm. Sauf que vous ne voulez pas une petite laminette de 0,8. Vous en voulez 2 de 4. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez prendre votre bande de laminette de 2 cm. Que vous allez la découper à peu près à la longueur de votre tour de sous-poitrine ou en tout cas à la même longueur que votre patron de bande de sous-poitrine. Ensuite, vous allez les poser toutes les deux comme ça, côte à côte. Et puis, vous allez venir faire un point zigzag entre les deux pour bien les coller, pour que ce soit plus facile à manier pour vous. Une fois que ce sera fait, vous pourrez faire exactement ce que vous avez fait avec le petit. Vous allez poser comme ceci votre grande bande de laminette de 4 cm de large. Vous allez faire votre point zigzag. Ensuite, vous pourrez replier. Ensuite, vous pourrez donc replier comme ceci et encore comme cela pour avoir l'intégralité de votre bande. Là, vous voyez, il y a la couture du milieu parce que c'est ce qui m'est arrivé dans ma précédente version parce que j'avais pas anticipé et que j'avais pas coupé de bande suffisamment large. Donc, je le répète, votre bande à vous, elle sera de 3 fois 4 cm plus 1 cm de marge de couture, autrement dit de 13 cm. Voilà, j'espère que malgré ce petit cafouillage, vous aurez compris ce qu'il faut faire pour la bande de sous-poitrine. Tout le reste en fait est très très bien expliqué dans le pas à pas du maillot, c'est bien pour ça que j'ai pas pris la peine de détailler le reste. C'est ce qui va vous permettre donc d'avoir au final une bande de 4 cm sous la poitrine. J'ai fait ma première version, j'avais pas tout de suite compris le montage, ce qui fait que je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisamment large et j'ai dû recoudre une bande en dessous. Pour qu'elle soit suffisamment large en dessous. Mais au final, dans ma seconde version, je me contenterai, voilà, ça c'est à quoi ça ressemble à l'intérieur, je me contenterai tout simplement de la faire d'un seul tenant, on va dire. Ensuite, pour la pièce de bonnet, la voici. Normalement, vous la découpez au pli, ici. Moi, j'ai rajouté juste 0,5, parce que j'ai calculé que j'allais avoir quand même un écart, ici, dû à mon anneau. Au final, je pense que plutôt que 0,5, je rajouterai 1 cm dans ma prochaine version. Peut-être même 1,5, ça je verrai. Normalement, dans la version originale, ici, puisque le tissu est au pli, je vous le rappelle, vous allez coudre la doublure et la version originale, ici, au niveau du pont,
à 5 ou 7 mm, je ne sais plus, voilà, avec de marge de couture, et ensuite vous retournez. Moi, je n'ai pas juste cousu ici, puisque j'avais deux pièces, mais j'ai pris ma pièce tissu, j'ai pris ma pièce doublure, et j'ai cousu partout, comme ça, tac, tac, et ensuite j'ai retourné. Donc forcément, il m'a fallu aussi ces 5 mm de marge de couture. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait plus que 0,5, il faudrait 1 mm, il faudrait 1 cm, voire peut-être que je tenterai 1,5 pour ma prochaine version, on verra. Vous récupérez cette ligne là, hop, et ici 1 cm, et vous découpez comme ceci. Ça, c'était simplement pour mes modifications patron sur le haut, donc vous voyez, c'était rapide et pas très compliqué. Pour la culotte, c'était pas vraiment une modification patron, c'était plutôt une erreur dont je suis contente, puisque pour ma culotte, au lieu de coudre une bande longue et une bande courte d'un côté, donc voilà, il en fallait normalement une longue et une courte pour pouvoir accrocher un nœud sur le côté. Donc gardez cette façon de faire si vous voulez l'anneau sur le côté. Moi, dans la version que vous avez vue en photo, je me suis trompée. J'ai découpé deux fois cette bande en version petite. Ce qui fait que lorsque j'accroche mon anneau, puisque c'est juste ça, hein, je prends l'anneau et je l'accroche de chaque bout de la culotte. Alors je le fais sur moi pour que ce soit bien symétrique normalement. Eh bien, l'anneau est parfaitement au centre. Voilà, c'était la seule modification involontaire de la culotte. Alors maintenant, on va parler un petit peu des difficultés et de ce qu'on doit faire au niveau de la couture par rapport au hack. Très rapidement, au niveau du centre, je ne pensais pas que ça allait être aussi facile. Je me suis dit, mon Dieu, ça va être très compliqué. Et en fait, pas du tout. Je vous montre ça. Comme vous voyez ici, c'est correctement fermé puisque... Là, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'à la base, j'avais cousu endroit contre endroit les deux devants et ensuite j'ai retourné. Et donc ensuite, j'ai tout simplement fait passer cette partie-là, cette partie qui est ici, voilà. Je l'ai fait passer à l'intérieur de l'anneau, jusqu'ici, et puis un petit peu avec ma machine, petit à petit, j'y suis allée bord à bord en décalant mon aiguille pour qu'elle soit vraiment le plus sur le côté possible. Petit à petit, j'ai piqué. J'ai rien de plus à vous dire, je l'ai fait comme ça me venait. Je pensais pas que ça allait être joli et au final ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est tout simple et ça fonctionne. Je l'ai pas fait avec un point élastique. C'est vrai, je l'ai juste fait voilà, avec un point droit tout simple. En revanche, là où ça a été complexe, et je vous le dis tout de suite, c'est pour le dos, c'est-à-dire que pour le dos, j'avais donc ici, lorsque j'ai voulu mettre mon attache, j'avais 4 épaisseurs de laminette et 1, 2, 3, 4, voire plus à certains endroits, vu la façon dont la ceinture est repliée, je ne sais pas combien d'épaisseurs de tissu j'avais, et du coup, ça me faisait des bouclettes sur le dessous. C'était une calamité, j'ai passé un temps fou juste pour réussir à mettre ici... le fermoir. Donc j'ai deux conseils pour vous. Un, moi, vu que j'avais cette laminette qui est extrêmement rigide, extrêmement épaisse, j'ai fini par utiliser une aiguille jean pour que ça passe à travers toutes les épaisseurs, juste ici. Et je pense que pour ma prochaine version, ce que je ferai, c'est que la laminette, je la mettrai pas jusqu'au bout. Lorsque je vais coudre ma ceinture, je ne vais pas mettre ma laminette jusqu'au bout, je vais laisser 2 cm, je pense, sans laminette pour pouvoir facilement replier ce tissu-là et avoir en fait une partie de la ceinture avec laminette et une partie sans laminette à coudre ensemble. Ça limitera les épaisseurs et j'espère que ça permettra à ma machine de passer parce que forcément tout le maillot je l'ai cousu avec une aiguille super stretch, sauf que ma machine n'a vraiment pas aimé toutes ces épaisseurs, c'était extrêmement agaçant. Donc voilà, je dirais qu'au moment de coudre à la ceinture, je ferai en sorte de laisser 2 cm sans laminette pour pouvoir la rabattre ensuite, puisque là j'ai fait juste un surjet et j'ai rabattu pour pouvoir ensuite la coudre derrière. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans le patron,
C'est pas, y a d'autres patrons de maillot de bain où en fait vous allez tout simplement poser votre laminette et apprendre à gérer votre tension et puis coudre au fur et à mesure. Là, c'était pas le cas. Là, on vous disait en fonction de votre taille combien de centimètres de laminette couper pour ensuite le coudre. Moi, j'ai pas cette habitude-là, ce qui fait qu'honnêtement, ça a été dur pour moi. C'était compliqué. Je l'ai fait pour le décolleté. Et je regrette pas. Avant de coudre la partie ici avec l'anneau, vous devez coudre l'élastique au-dessus de la poitrine. Et étant donné qu'il est en deux parties, vous allez coudre d'abord sur un côté du bonnet, ensuite sur l'autre bonnet, vous repliez, vous faites votre point zigzag ici, et ensuite, là, vous aurez vos bonnets totalement terminés et vous pourrez les coudre à l'intérieur de l'anneau. Et donc, ce que je disais, c'est que on vous donne donc à chaque fois, pour chaque endroit, quelle mesure de laminette utiliser, sauf que là, pour le dessous de poitrine, ça va pas aller parce que vous n'avez pas 1 cm de laminette, vous avez à chaque fois 2 cm, 2 cm d'une laminette qui est très très résistante, qui a vraiment une grosse grosse résistance, donc ça va pas aller. Moi, je l'ai pratiquement pas tirée par rapport à mon tissu. Ma laminette fait pratiquement la même dimension que ma bande de sous-poitrine, alors que dans le patron initial, votre laminette est plus petite que votre bande de sous-poitrine et il faut l'accrocher petit à petit et tirer. Là, vraiment, il y a très très peu de différence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris l'élastique et que je l'ai mis autour de mon buste pour essayer de voir ce que ça donnait et j'ai coupé et puis je l'ai cousu. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait vraiment sur mesure sur moi. Surtout à ce niveau-là, ne suivez pas la préconisation du patron parce que bah, le patron c'est pour 1 cm et pas pour 4 cm d'élastique. Enfin, la dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est que pour qu'il soit totalement parfait ce maillot, il faudrait que je fasse quelque chose qui n'existait pas sur la première version du maillot, à savoir que je fasse en sorte que mes bretelles s'accrochent non pas au cou, mais dans le dos du maillot. Parce que, ben voilà, celles qui ont une forte poitrine le savent, le maillot parfait, c'est aussi un maillot qui ne s'accroche pas dans le cou, parce que sinon le poids sur les vertèbres est trop lourd et c'est très désagréable. Alors là, ce qui est bien, c'est que comme les lanières sont très épaisses, elles ne vous blessent pas comme un haut de bikini, voilà, tout fin qui s'accroche sur le cou. Ça, c'est interdit pour moi. Et donc là, c'est pas le cas. Vous avez vraiment des bretelles super larges, donc ce qui est très appréciable. Mais si vous voulez les accrocher dans le dos, bah écoutez, je vais le faire, je vais le tenter sur ma prochaine toile. Je pense que ce que je vais faire, c'est quelque chose que j'avais appris dans un ancien maillot de Charlotte Jobert, c'est-à-dire que je vais ici faire exactement les mêmes bandes, mais à l'intérieur des coutures, je vais mettre, je pense, de la laminette, même de la laminette très fine de 0,6, mais pour que le tissu ne soit pas le seul à supporter le poids de la poitrine, qui est aussi peut-être un petit peu d'élastique, donc j'ai bien envie de tenter ça. Et puis ensuite, je pense que je vais les croiser et pas les mettre comme ça, parce que sinon ça casse un petit peu le modèle. Parce que le modèle, vraiment, le fait que ça revienne un petit peu comme ça met en valeur la poitrine, c'est très joli, ça va avec. Et pour conserver cet effet, ben, je pense qu'il va falloir que je les croise et ensuite que je les accroche ici. Enfin, dernière chose aussi, c'est que à mon goût, donc là, en fonction de mon XL, il fallait que je couse, je crois, à 5 cm de cette couture-là. Je crois que pour le prochain, je mettrai à 4 cm, plutôt à 1 cm de moins, pour que ce soit un tout petit peu plus vers là. Ça, c'est une question de goût. C'est le but de faire une toile, c'est qu'après, on adapte en fonction de ses goûts. Et pour le placement de la bretelle derrière, j'ai bon espoir, puisque normalement, il y a une bretelle très fine. On vous dit l'endroit où vous devez placer la bretelle très fine pour ce maillot-là. Donc, soit je le ferai vraiment à la vue, je demanderai à ce qu'on m'aide un petit peu. Et je le ferai un petit peu à la vue, soit je prendrai comme repère le centre de la bretelle fine, l'endroit où on est censé le poser ici. Je poserai la bretelle par-dessus comme ça. Bon, je sais que c'était pas un tuto où on voit tout, mais en tout cas, j'essaie de vous donner un maximum de conseils, un maximum de détails pour vous aider à reproduire le modèle si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai aidé en tout cas toutes celles qui ont vraiment du mal à avoir un maillot à la fois sur mesure, puis surtout un maillot avec un bon maintien, parce que celui-là, vraiment, je peux y aller, hein. Je peux me jeter dans les vagues, je peux nager, je peux faire ce que je veux, il n'y a rien qui bouge. Vraiment, il n'y a rien qui bouge et ça, c'est un vrai bonheur. Bon, le bas, je l'aime beaucoup aussi, je trouve qu'il arrive au bon endroit, il n'y a pas de souci. Après avoir fait la vidéo, je me demande si mes explications auront été suffisantes. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos et à me dire quelles étaient les zones d'ombre.
En tout cas, je vais vous souhaiter de bons moments couture. J'espère que vous allez aussi vous lancer dans votre couture de maillot de bain parce qu'encore une fois, pour moi, ça a été une vraie libération et c'est pour ça aussi que j'ai envie de vous le faire découvrir. Je vous souhaite le meilleur, de bons moments derrière votre machine à coudre et avec ceux que vous aimez ou toute seule parce que bah, on s'aime aussi soi-même. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.